Bonjour, pour vous aujourd'hui, un extrait de Garder le lien, l'histoire de Lise et Manon, deux sœurs, de l'enfance à l'âge adulte. Et l'extrait nous amène au moment où on vient de recevoir à la maison un étrange colis. Passé le seuil, le gros paquet est déposé et glisse sur le carrelage. C'est donc un meuble à roulettes. Les hommes le poussent dans le couloir, négocient l'entrée dans le salon. Jo dirige la manœuvre. Là, face au livre, ce sera parfait. La curiosité des filles est à son comble. Elles trépignent, petits sauts excités et questions répétées auxquelles Jo ne répond pas, comme d'habitude. Ça l'amuse. Il adore jouer avec leur impatience, faire durer les devinettes, les taquiner. Il raccompagne les hommes, poignées de main et remerciements, s'attarde jusqu'à ce que la camionnette ait disparu au coin de la rue et revient en sifflotant vers la maison. Lise et Manon n'ont pas bougé, debout devant l'étrange colis. Loustic les imite, posé sur son arrière-train. Béné attend aussi, la gorge pleine de reproches ravalés. Lorsqu'enfin Jo pénètre dans le salon, les petites retiennent leur souffle. Il leur sourit, saisit un pan de la couverture et, dans l'envol d'un geste théâtral, dévoile sur leurs mines émerveillées un grand piano droit. Béné soupire bruyamment et tourne les talons. Le visage de Jo se rembrunit un instant, une infime seconde où passe dans ses yeux clairs le noir de la colère. Il se reprend, c'est presque comme s'il n'avait pas cessé de sourire. Il tire à lui un tabouret, s'assied, Lise d'un côté, Manon de l'autre. Ses mains s'approchent du clavier. Il inspire, ferme les paupières, se concentre sans doute sur ce moment longtemps rêvé. Ses doigts s'élèvent lentement et soudain se mettent à danser sur les touches. La maison résonne, la musique emplit les lieux, les cœurs et les poitrines. Jamais Lise et Manon n'avaient éprouvé cela, cette harmonie des sons dans l'espace mêlée aux vibrations qui tambourinent partout sous la peau, s'y impriment, laissent leur empreinte dans la mémoire du corps. Lorsque le piano se tait, on entend le silence, on le goûte. Quelques secondes avant de revenir, d'oser parler. La marche turque. Jo nomme le morceau. Le compositeur était un tout jeune homme, il s'appelait Mozart. Manon s'installe sur les genoux de son père. Ses petits doigts sur les touches blanches et noires spontanément montent la gamme. Moi aussi je veux jouer,